Et voilà parti donc pour le Prairie Crew, alors que Hurricane Los Santos est tout de suite en paradis commandement et a pris l'avantage avec Dekiri. Il est juste devant Mac Dumoulin avec un prévu qui n'est pas loin, c'est Twinkie. Alors qu'on prend son temps avec Guestar qui est parti à l'arrière-garde et qui ferme la marche du peloton à une dizaine de longueurs. Alors qu'on a toujours l'avantage dans le tournant avec la Kazakh rouge du Hurricane Los Santos qui a l'avantage avec Cupidon Lérine qui vient bien caler dans son dos juste devant Dekiri qui n'est pas loin. Mac Dumoulin est en quatrième position alors qu'on est là avec un prévu également qui tente de finir. On est un peu plus loin avec Twinkie avec Guest Star qui ferme la marche du peloton. Et qu'on ne pas dans les avec d'ailleurs Céline et c'est toujours Hurricane Los Santos Kazakh rouge. Et qui a toujours le gros avantage, qui est relancé par sa partenaire, qui est en seconde position, juste devant Dekiri. Mac Dumoulin, Kazakh Violette, est en quatrième position à distance et il semble marquer le pas. Il va le voir maintenant, et bien, imprévu, le déborder à son extérieur, mais encore plus loin avec Guest Star et avec Twinkie. Les temps sont au bout de l'île d'en face, ils sont deux maintenant à avoir fait la différence. Avec à l'extérieur, Cupidon Lérine qui, à l'amorce du tournant final, a pris l'avantage maintenant sur l'animateur de la première heure. Il s'agit du Hurricane Los Santos qui tente de patienter dans son dos, de souffler et de repartir dans la phase finale. Avec à l'extérieur, Cupidon Lérine qui a l'avantage, mais le décor de Hurricane Los Santos qui va tenter de venir l'inquiéter. Les autres sont à distance. Et c'est Hurricane Los Santos qui repart le décor, mais à l'extérieur, Cupidon Lérine. Les abords du poteau, Hurricane Los Santos sont tous les deux dans les secondes. Imprévu, Guest Star qui termine dans un rush troisième, juste devant l'imprévu et Dekiri.